Ce vendredi, les amateurs de mode ont assisté à un défilé en plein air à Paris. Guillaume Henry a présenté la collection Printemps-été 2018 de la maison Nina Rixi, place Vauban face aux Invalides. On ne sait pas si Louise Bourgoin avait anticipé la météo, après tout c'est un domaine qu'elle connaît, mais l'actrice avait opté pour un joli haut transparent, un choix parfait avec ce beau soleil. Son top noir en dentelle laissait apparaître son soutien-gorge façon bikini. La tenue était complétée par une longue jupe colorée et étoilée, ainsi que des bottes. Plus grand que photo Sarah Sampeo et Marie-Ange Castet très sexy au défilé. Balmain Géraldine Nakache a également assisté au défilé, avec un look plutôt hivernal. La comédienne s'est présentée avec une robe noire à col fermé. La dentelle dans le bas de la jupe lui donnait certes une allure très élégante, mais le rouge à lèvres de couleur foncée rendait l'ensemble un peu tritounette. Dommage. Plus grand que photochar, Lotgain, Bourréchard, Lotkazi, Ra, Guy tout entrant, pas, rance au défilé Saint-Laurent. Pour le côté solaire, on pouvait compter sur la voisine de Louise Bourgoin. Émilie Ratajkowski qui avait enflammé les réseaux sociaux, cette semaine sans même se montrer à la Fashion Week, a fait une entrée très remarquée. Et ce n'est pas une tenue sexy qui l'a mise en valeur, mais une toute nouvelle coupe de cheveux. Le top modèle s'est séparé de sa longue chevelure pour un joli carré wavy. Longue veste jaune à carreaux et pantalon assorti, elle en a fait craquer plus d'un, avec cet ensemble très original, et ce nouveau look. Le maxi décolleté, elle l'avait réservé pour plus tard. Dans la soirée, elle est apparue dans une robe dorée et moulante, qui mettait en valeur sa poitrine. Une tenue qui a une nouvelle fois fait mouche, les mots manquaient à ses nombreux admirateurs, qui ont préféré commenter sa publication Instagram, avec des cœurs et des flammes. Le carré et le décolleté sont validés.